Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons apprendre à maintenir la glisse après le water start. Le water start et le maintien de la glisse sont liés. Attardons notre attention sur le comportement à adopter pour glisser de façon continue. Si vous ne maîtrisez pas le water start, regardez le tuto précédent. Tout d'abord, choisis une zone d'évolution dégagée, afin d'anticiper la dérive engendrée par tes essais. Par vent au shore, assure-toi de bénéficier d'un plan de sécurité. Voici les aimants qui t'aideront à maintenir la glisse. D'une part, techniquement, ta planche est perpendiculaire au vent et tu dois appuyer sur tes talons pour maintenir ta trajectoire. L'aile se situe dans l'axe de ton genou avant, à 45 degrés au-dessus de l'eau. Ton regard se porte loin devant l'axe de l'avancement choisi, ainsi ton corps va pivoter également. Tes mains sont placées au centre de la barre. Dans le vent faible, continue à piloter l'aile, du zénith vers la pleine fenêtre afin d'occuper un maximum de traction, et adapte ta position. Lorsque l'aile te tracte, fléchis tes jambes, et lorsque l'aile remonte vers le zénith, redresse-toi au-dessus de la planche. Avant de faire ton water start, assure-toi bien de l'orientation du vent, qu'elle soit la plus précise possible. Ces repères vont te permettre de matérialiser la perpendiculaire au vent, appelée le travers au vent. Si tu n'as pas de repères, fais appel à tes sensations. Ou encore, observe le plan d'eau pour être le plus perpendiculaire au vent possible. Regarde par exemple les autres kitesurfers, les vaguelettes créées par le vent, qui sont de très bons repères. Maintenant que tu navigues travers au vent, il est maintenant possible de remonter au vent en adoptant la navigation au pré. Et n'oublie pas, pour maintenir la glisse, la traction doit être permanente. Tu dois conserver les lignes tendues grâce au pilotage de l'aile et à la position adoptée sur la planche. Profite de ces conseils, respecte les règles de sécurité et bon ride! Si tu es débutant ou que tu as envie de te perfectionner, n'hésite pas à te renseigner sur nos stages de kitesurf en France ou à l'étranger. Clique sur ce lien pour en savoir plus.